Rebonjour à tous. On reprend après cette courte pause. Longue, donc. J'étais en grande discussion avec le président de l'Échiquier Limois. J'ai pas vu le temps passer. Bonne raison. Donc, on va reprendre directement avec partie de Laurent contre Mathieu Cornet. Alors, ouais, il y a eu une décision importante. Là, Mathieu avait deux pions isolés. Bon, il y en a un en plus. Et il a réussi l'exploit d'avoir deux pions isolés. Et il a décidé d'en donner un. Sachant que c'en était un d'avance. Oui, c'en était un d'avance. Donc, il en avait deux. Il en donne un pour créer un autre pion isolé. Bon, les blancs sont... c'est clair que les blancs sont mieux. Parce qu'ils sont... Je pense qu'ils sont vraiment bien. Ça paraît vraiment, vraiment bien pour eux. Oui, mais là tu vas contester là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer actif ou pas? Grande question. Jouer actif, c'est B4 et maîtriser, maîtriser des tours A7. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas mieux commencer par tour A7, par exemple? Tour A7, des coups comme Dame B4. Ben voilà, bonne réponse. Donc tour A7 marche pas. Alors, donc B4 d'abord. Ah, mais là, il y a peut-être des tours C7 intermédiaires qui sont embêtants. Mais bon, est-ce que c'est pas... Oui, fou B5 alors. C'est pas... Non, tour C7, ça se trouve, ça, mais c'est pas bon. Fou B5. Surprise, prend B4. Tour B8. Ouais, bon, je sais pas. Ça semble. Il y a un truc qui colle pas à vue de nez, quoi. Je pense que les blancs devraient arriver à faire ça. Sinon, enlève une tour déjà. Mais là, de toute manière, bon, Dame B4, c'est une vraie menace, quoi. Donc. Ah, tour C8. Ouais, mais tour C8, tour C2. Tour C8, tour C1. Voilà. Donc là, tu prends une fois. Et là, tu peux pas jouer tour C8 parce que tu perds B5. Tu cherches une ruse. Une ruse. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Non, je pense que les blancs sont bien. Dame F5. Ils sont bien sans risque. Ok, enfin, on reste toujours avec B5 qui est faible, le fou qui est... Bah, je pense que si jamais vraiment tu gardes les dames et que tu arrives à échanger une tour, là ça devrait aller quand même. Ouais, je pense que c'est jamais facile. Bah, regarde, je te mets le roi en B6. Tu fais ce que tu veux, okay. Et je joue. Et je bouge mon fou. Fou C6, fou E8. Même dame D3, je pense. Dame D3 Je fais même jeu pour la bande, je pense. Donc, fou F5 a été joué. Bon, tour C7, a priori, non? Bon, ok, enfin, c'est le genre de partie, soit Laurent gagne, soit il fait nul. D'accord. Alors... Le facteur temps aussi peut jouer, alors je regarde le temps sur l'autre. Alors, son idée peut-être qu'il veut. Alors, Mathieu n'a que 7 minutes pour jouer encore 14 coups. Alors, est-ce qu'il veut. Il veut essayer de trouver du contre-jeu avec fou E4? Bon, sur l'évaluation, on va passer aux autres parties. Si une tour disparaît et que le fou par exemple est en D5 et qu'il y a échange de dames, B4 à ce moment-là est bien. Ouais. Par exemple, tour C7, fou E4. Et je sais pas, imaginons tour C1. Ouais. Maintenant, dame G5, c'est quoi? Dame prend, puis on prend, je passe par derrière, tour D7. Et là, il n'y a pas assez de contre-jeu. Quoi. Oh, mais même ça, c'est toujours très bien pour les. Ouais, il n'y a pas assez. Ah ouais, t'as un petit coup de tour B7 pour. Non, ça va pas suffire.
Bon, ben, peut-être c'est pas si facile, bon, c'est pas très facile. Ah bon, c'est Mathieu qui se bat pour égaliser, peut-être qu'il va y arriver. Oui, là on met la tour en C7 plutôt qu'en C6 quand même. Donc plutôt qu'en C3 qui autorise B4, plutôt qu'en C1 qui permet. Non, ça ne permet plus, même pas l'échange. Tour C1. Mais bon, tour C7, c'est tour C7 ici. Ouais, ok. Alors, ah non, t'avais encore quelque chose à. Non, je regardais si on pouvait essayer de profiter de la position de la tour. Jean-Marc, tu te rappelles l'italienne très tranquille, ça effectivement abouti. Donc les pièces se sont changées. Alors, est-ce que Étienne essaye vraiment d'aimer ça? Bon, a priori, enfin, je peux se dire qu'il peut essayer au moins jusqu'au 40e et voir ce qui se passe après. Mais bon, ce serait bizarre de voir un autre résultat que nul. Hein? Ce serait bizarre de voir un autre résultat que nul. Au 40e coup. Oui. Ok, bon, on va pas s'éterniser sur cette partie. Alors, le B6. Cette partie, on l'avait quitté. Là, on avait pensé à Dame G2 plutôt. Mais Dame G2, c'était Dame pas G2, terrible. Dame G2, il y avait pion prend F5, petit roque, fou E4. Allez, un petit contrôle U, s'il te plaît. Pion prend F5. Petit roque. Tour G1, dame prend H2, fou E4. Avec l'idée de gagner la dame. Ouais, embarrassant, fou E4. Donc, dame G4 a été jouée. Je prends F5. Cavalier C6. Ouais, vraiment bizarre, sûr. Oh, les noirs n'ont pas de pion de moins et le roi blanc est au centre. Oui, mais regarde, fou E2. Ok. La dame s'échange. Ouais, mais. Ah, cavalier aussi. Oui. Fou E7, cavalier G6, fou E2. Oui, ça c'est du. Ouais. Ça, je pense que c'est. Oui, c'est fou F4, c'est un peu hâtif. Hein. Donc évidemment, on ne pouvait pas prendre le pion C7, hein, il y a tour E8. On se retrouve avec toutes les pièces en l'air. Donc fou D2, D5. Bon, la structure de pion est mauvaise pour les blancs. Ah, ça c'est rigolo ça. Bon, alors donc c'est la position actuelle. Qu'en pensez? Est-ce que la tour H7 est vraiment placée mal placée? Non, le pion G va pouvoir bouger dans tous les cas. Bah ouais, enfin ouais. Ici. Moi je pense que les blancs sont très bien, oui. Les blancs sont très bien, je pense. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il faut faire ici. Il y a le pion F5 en prise. Il y a le roi reste au milieu. Il faut trouver un truc tactique ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si je joue G5 là. G5. Le roi joue G5. D'accord. Je prends. Je prends encore. Ouais, et là je joue fou F4. Je sais pas, est-ce que tu vas arriver, je suis même pas H5, H4, je ne sais même pas si c'est possible. Bon là, il faudrait que tu... Ah, il y a des ruses, par contre, ici. Ouais. Cavalier prend D5, puis on prend tour E7, tour F2, et ça marche pas. Bon, c'est un thème. Donc, comment essayer de faire marcher ce truc-là? Non, parce que bon, G5 n'est pas forcé, mais... Si on joue pas G5, c'est dur de. Oui, surtout. Pour trouver des coups utiles pour les blancs, c'est facile. Hein. Faut F4, surtout surtout D2, que, en fait, je suis un peu ridicule de prendre sur G5. Sur G5, je joue roi D2 et je te laisse comme ça. Roi. Ah, je peux pas jouer un roi D2, mais c'était quand le fou était parti en F4. Sur G5, ben, je joue. Non, mais.
sur G5, je joue, faut que je fasse gaffe à fou 3. Sur G5, où est-ce qu'il faut que je bouge mon roi quelque part? Si je fais grand roc et cavalier pour D5, sur G5, je joue A4. Regarde. Ouais, alors là, les blancs, les... Ouais. Alors là, il y a cavalier prend D5, par contre. Ça, c'est la ruse qu'il cherche à faire. Ah, F prend... Et tour E7. Même ça, c'est pas clair, c'est pas tout à fait clair. Mais bah, sur... Non, c'est parce que les blancs, ouais. Si, mais c'est clair parce que sur sur fou F4, il y a cavalier D7. Ça c'est relou. Je comprends ça. Ah, il y a F5 en prise. Ah oui, mais tu peux prendre F5. Tour prend F5, cavalier D7. Et à ce moment-là, on est. Ah, c'est quoi le truc? Ah, mais j'ai pas vu qu'il y avait F5 en prise. C'est une ruse, ça a l'air de. Bah, ah non, mais là, t'as perdu. Sur fou F4, t'as un pion de moins. Et puis on prend. Sur fou F4, je pense qu'il faut pas prendre. Peut-être tour 8. Mais la tour 8 aussi, c'est possible. D'accord. Et là, tu regagnes ton matos. Bon, ok. Ah oui, ouais, ça va. Ça. Ah oui. Donc, méfiance. Pardon. Méfiance par rapport à ces thèmes. Ouais, position dangereuse. Ouais. Et peut-être. Bon, alors, il peut y avoir des tricks. Mais... Ouais. Ce que je veux dire, c'est que si tu jouais G5, autant jouer G6. Ah, ok. Ouais. G6, peut-être avec la menace G5. Non, pas de menace G5. Non, G6, pas de menace G5, mais bon. Ouais, bon. Ouais, je sais pas. Pas. Peut-être G5. De toute façon, c'est dur de jouer autre chose que le projet. C'est bon, sinon, bon, on peut penser à des KLC, des KLD6, mais bon. Oui, c'est ça. Rester... Ouais, mais on peut pas rester avec ça. Quoi. Oui, mais à mon avis, vas-y, fais un contrôle U. À mon avis, son idée, c'est vraiment ça. Quoi. Et le joueur roi, c'est. Ouais, pour jouer cavalier D7. Okay. Il veut, ce cavalier doit partir. Il cherche à le. Oui, donc lui, il veut vraiment pas s'affaiblir. Je veux cavalier D7, tour H8. Je sais pas tout à fait ce qu'il veut faire, mais à mon avis, il est dans ses petits souliers ici. Romain Edouard. Allez, je te fais un petit truc. On va voir si y a vraiment des. Si c'est gros avantage blanc ou si c'est visuel avec la paire de fous. Ouais, gros avantage blanc. Alors moi j'avais senti que c'était un truc qui ne collait pas. Waouh, A4 d'ailleurs. Hein. A4 avec l'idée A5. Donc t'as intérêt en fait dans ce genre de position, t'as intérêt d'avoir un truc. Parce que sinon A4, A5, ton fou est même. T'as même plus les thèmes à base de cavalier prend D5. La tour s'active et puis les fous. Puis en F5. Donc position dangereuse pour Romain. Alors juste. Avant de passer à autre chose, le facteur temps, je regarde. Donc 13 minutes seulement pour Jean-Luc Chabanneau, contre 22 pour Romain Clénoir. Ok. Alors, Sébastien Mazé, l'homme qui ne fait jamais nul, contre Tigrane Garamian. Donc c'était la position du Caro-Kann / Scandinave, dont on avait parlé. Ah, il aurait peut-être dû mettre son fou en F4, il va regretter. F ou C1, donc Sébastien qui refuse la répétition du coup. C5, F4. Alors, après C5, est-ce qu'il n'y avait pas des changements de structure possible? Non. Toujours le cavalier E5 qui est en l'air. On va pas faire grand chose. Donc F4. Et donc là, on menace de prendre C5, non? Non, pas du tout. Peut-être qu'on menace fou prend. Fou prend D5. Qu'est-ce qu'on menace avec le. Je comprends pas tellement un petit peu cette de vouloir. Je sais pas. Et ici, sur KB6, c'est quoi l'idée? Attends, KB6, faut que je regarde. Puis on... Ah, mais ce KB6, l'avantage, c'est que ça découvre la case de 3. Peut-être qu'il veut juste prendre un C5, non? Ouais. Soit dame prend, fou E3. D'accord, non, là je peux pas. Hein.
Mais ici, je peux glisser peut-être un cavalier prend C4. Et à ce moment-là, il y a aussi tour prend D8. Hein. Ou je fais est-ce que je peux faire un tour prend D1, tour prend D1. Admettons que je fasse un tour prend D1, voilà. Bon, ça, c'est la variante sûre. Mais là, oui, je dégage la case de 3. Voilà, ça c'est bien. Mais là, tu ne peux pas prendre avec la tour, tu perds une pièce. Si tour prend, dame prend C5, et là, on n'a plus fou E3. Il suit qu'aller prend C4. Et comme la case D8 est contrôlée par le fou, ouais, ouais. À vue de nez, ça gagne une pièce. Donc là, tu es obligé de prendre avec la dame. Et je fais. Non, je fais qu'aller prend C4 maintenant, dans le bon ordre. Attends, et si fou prend E5, est-ce que ça gagne du matériel? Fou prend E5. Ouais, fou prend E5, ça sent pas bon du tout pour les. Pour les blancs. Pour les blancs. On peut pas. Ah. Donc ça, ça. Attends, dame prend. Dame prend fou E3, dame prend B2. Dame prend. Fou E3, obligé. Dame prend B2. C'est pas ouais, bon. Ouais, bien. Okay. F4, c'est la position actuelle. Cavalier B6. Ben à mon avis, il est dans. C'est possible qu'il soit dans ce mode. Hein. Dans ce mode, je ne sais pas. Je suis capitaine de l'équipe de France, sectionneur. Je montre l'exemple, je me bats jusqu'au bout. Et pour l'instant, comme tu l'avais dit, il est peut-être très fier finalement d'être ce joueur du national, de ne pas avoir fait de nul. Je pense un petit peu au style Bologan, qui préfère, ouais. À la limite, préfère perdre plutôt que faire nul. Bon, ok. Ça me semble tendu quand même de jouer ici. Enfin, moi, bah, je sais pas. F4, c'est. Enfin, déjà, laisser faire C5, c'est un peu étrange, mais F4 après, ouais, c'est. Bah là, il y a cavalier. Tant qu'il y a cavalier G4, ça va. Un double tranchant. Bon, on verra. Enfin, après, c'est fidèle au style de sans compromis de Sébastien. Mais... Donc, oui, un truc qu'on n'a pas vu. Parce que j'ai pas alors, vu. Le 1B3, le début de l'arsène qui est transposé dans cette structure de française d'échange. Un petit contrôle pour la transmission. Donc on s'est arrêté à cavalier E5, fou D7, c'était ce qu'on avait dit. C4, tour E8. Et donc, il a échangé. Avec C5. Mmh. Marrant, il met les pions sur la couleur de son fou. Ouais, ouais, mais c'est. Et donc, le pion C6 est faible, c'est ça son idée. Ouais. Cavalier F3. Et puis son fou il sera hyper fort s'il revient sur le diagonale. S'il arrive ici quoi, en F4. Voilà, c'est vraiment les meilleurs fous. Les meilleurs fous sont ceux qui sont de la couleur du pion mais passés dans le coin adverse. Ouais. Mais là je pense qu'il a une idée plutôt de. À mon avis, il a plutôt une idée de. Voilà, fou des deux. Et il a une idée. Il doit gérer la finale aussi. Il doit gérer cavalier F8. Il doit gérer diverses choses. La dame B5. Cavalier F8 a été joué. Cavalier F8 a été joué. Mm. Madame B5, tant que. Si jamais t'es. Bah, ouais, enfin là je joue. Je sais pas si mon intérêt finalement c'est de sur fou F4 de jouer fou E5. Quoi? Fou F4, cavalier E6, fou E5. Là, enfin, contrôle U. On est à contrôle U. Ouais, ouais, c'est bon. Il n'y a pas eu analyse, donc c'est bien. Fou prend. Cavalier prend. Et là, F6. Ouais, mais bon. Même ça. Bon. Voilà, et maintenant, il peut peut-être commencer à. À la dame vient F5. G6. Ah mais bon ça c'est bien pour la blanc. Bon, y'a rien de spécial. C'est le pion D4 un peu faible mais bon, est-ce qu'il, je pense qu'il est moins faible que les pions nord de la blanc. Il y a pas, tu sais qu'ici il y a pas grand chose quand même. Parce que ton cavalier il est muselé à D4. G6 là. Donc je prends la case F5. Je vais jouer cavalier G7. Je vais essayer d'échanger un max de pièces. Et après, finale égale, quoi. Finale de pion, on doit être perdant, quand même.
Ah ouais. Si là on enlève toutes les pièces dans cette position, les blancs gagnent en mettant le roi en A6. Je leur dois. En A5 peut-être alors, parce que avec le roi en B7, je peux jouer A6, roi A7 et passer. Ouais. Ok, on va. Mais. Oui, de toute façon, tu mets le roi en A5, tu joues à A4, B4, B5, toc, 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 le roi il est là, après faut que ce soit au millimètre près pour... faut pas que ton roi soit en A7, peut-être, hein, sinon il y a C6 échec, et roi C5, roi prend A5. Donc, le roi doit être là, ça fait... Non, okay. Mais je pense que voilà, okay. Sokolov, il a un truc assez technique. Le temps est important, parce qu'ils ont, joué que 23 coups, alors je vais regarder... Ouais, c'est du 8 minutes contre 15 au 22e. 8 minutes les blancs, il reste 8 minutes au blanc. 8 minutes au blanc, 15 minutes au noir au 22e coup. Ouais. Donc il a joué plus vite quand même. Là, il a dû comprendre assez vite que peut-être l'ouverture du score. Il fallait faire attention et donc pour Kevin, on lui souhaite. Donc, ouais. On a vu tous les hommes, sachant que la partie entre Yossif et Christian s'est terminée par la nulle. Donc, place aux femmes. Ah non, c'est pas... C'est pas ça. Voilà. Place aux femmes. Alors, il y a eu un 0-1 la partie nulle. Ah oui, il y a eu un 0-1. On l'a pas mentionné, donc c'est Almira qui a gagné sa partie. Donc, peut-être on va commencer par ça. Oui. Qui a gagné sa moderne hippopotame qui était déjà bien engagée quand on... On l'avait vu pour la dernière fois, on avait vu cette position. Donc là, non pas cavalier A4, fou C6. Ouais, qui était la meilleure chance. Qui était la meilleure chance qu'on avait analysée. Cavalier E5, elle donc banquée. Ça, en fait, moi, j'ai vu la partie, c'est enfin une partie qu'on attend d'Almira, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il a gagné très facilement avec les noirs en jouant que des coups simples, fidèles à son style. Enfin, que des coups simples. Fidèle à son style, je pense qu'elle ne s'est pas forcée. Puis elle a gagné une partie très rapide, 30 coups avec les noirs, sans que les blancs même n'aient fait de grosses gaffes apparentes. Quoi. C'est... Non, les blancs, okay, quand on arrive dans cette position et qu'on se dit qu'on va espérer tenir cette partie, bah, je suis désolé, là, ça ne va pas. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est une partie normale pour Almira, qui est 2400, qui joue contre Isabelle, qui est 2100. Elle a déroulé avec les noirs, elle a gagné un coup. Isabelle n'était pas inspirée là sur ce début. C'est quand même là c'est pas, ça montre qu'il y a un manque d'un voilà là, tu te retrouves avec les pions qui commencent à tomber et Isabelle n'a pas insisté, une partie oubliée pour elle. Ah oui, et cavalier G3 et puis après bon, faut peut-être, oui, ce que tu dis, H4 F4. On laisse jouer H5, mais moins on va essayer de... Peut-être que c'est pas si important cette case, G4. Ouais, je pense, pas sûr. Et disons qu'il y a le cavalier qui n'est pas sorti, ouais. C'est pas comme s'il venait de Oui, et puis bon, c'est quand même dangereux, hein. C'est toujours, enfin, de jouer H6, H5, H6 dans l'ouverture, ben, à un moment, on peut se permettre de donner des cases avec les blancs, quoi. Mais ok, mais ce qu'elle a joué jusque-là, c'est sûr que ça existe, parce qu'avec l'autre ordre de coup, ça existe, quoi. Et H4, H6, c'est possible. Oui, oui, non, mais bon, ça doit être normal. Non, mais déjà, bon, à partir de H5, par contre, je pense que c'est pas forcément optimal. Bah non, elle joue H5 avec cette idée. Si jamais tu veux jouer H5, tu joues, je sais pas, c'est de jouer cavalier G3, par exemple. Mais ces plans-là, quand les noirs, ils peuvent jouer dès qu'ils veulent, ils jouent E6, cavalier E7, puis dès qu'ils veulent, ils jouent H5. Ouais. Ok. Alors, les parties qui sont en cours. La partie de Nino, c'était le Stonewall. On se rappelle, on avait quitté dans à peu près cette position. Voilà, tour C2, ça a été joué. H6, G5. Ouais. Et donc, cavalier E5 ne donne pas de pion car il y a un problème en D5. Alors, un petit contrôle, s'il te plaît. Oui, bah ça c'est. Voilà. Cavalier E5, les noirs ne peuvent pas manger le pion. Si je puis me permettre. Oui. Attends. Non, c'est pas ça le problème. Non, mais et si on fait un coup avant? Vous prenez la 5 là? Ouais. Ah, tu préfères gagner une. Ok, c'est plus fort. Je suis d'accord. Attends, il y a fini le foot couleur opposé? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux?
pion prend, tour prend c7, fou prend, tour prend. Et là on peut défendre tour f7. Ah, tour f7 ça défend. La tour f7 ça défend ou pas? Tiens, regarde, tour f7, dame c3. Et là, pour défendre, d4. Ah, j'ai une autre idée alors. D4 dame prend. D4 dame prend, ouais. Alors, D4 dame prend. Mais tour prend C7. Dame. Ah, c'est bien ça. Mm. Ah, c'est jolie variante ça. Parce que ça marche pas en jouant dame D4. Donc voilà, ça, dame D4. Roi. Là, roi F7, dame prend. Ouais, dame E7. Ouais, mais bon, enfin, il y a encore les dames sur l'échiquier, c'est dur ça. Il y a dame E4 quand même. Ah, dame E4. Est-ce qu'il n'y a pas un échange général là de tout? Bon, pas encore. Ok. Bon, okay. Enfin bon. Alors c'est peut-être mieux ce qu'elle a fait. Alors, KVE 5 mode. Enfin, dans tous les cas, c'est. Dans tous les cas, si elle est prend 5, il y a des points. Non, c'est bien ça. Cavalier prend, pion prend, fou prend D5, échec, puis fou prend C6. Ça doit gagner un truc. Ouais. Donc tour C8, du coup la partie est normale. Du coup, Cavalier prend G4 prise. Et là, bon, le roi, elle va commencer à être faible. Bah, elle n'a pas vu qu'il y avait lieu ça. Ouais, elle n'a pas vu qu'il y avait lieu ça. Donc Nino ouvre sur l'aile roi, affaibli des noirs. Fou à 6. Ah, ça c'est rigolo là. Tour C3. Donc, pion de plus. Mais bon, peut-être pas si facile quand même. Pour un pion de plus quoi. Ben, fou F3. F3, 6 fois F3, ça va être facile. Ok, F3, très fort. Menace certainement de prendre et C6 qui est en prise. Donc on peut pas. Voilà, sur fou prend, tour prend, il faut partir avec le roi parce que si on vient sur E, il y a échec avec une tour et tour F6. Ouais. Si on va sur E, tiens, regarde, mets sur E, tour E1. On change le tour. Bah, faut que je vous dise un roi D8, ce qui n'est pas évident. Tour prend. Et tour F6. Voilà. Et c'est un autre qui mord à la poussière. Donc, tour F3, roi G8 est forcé. Et là, je reviens. Ah, attention à tour E2. Tour D'accord. Tour E2, tour 3. Non, mais c'est pas. C'est un simple coup comme regarde roi F1 à la place. Ouais, ok. Non mais là, attends, ton roi, est-ce que tu peux aller là alors qu'il y a tour F6? Ah, je sais pas, mais juste... Non, il y a tour F6, là, tu veux pas y aller. Et oui, problème avec tour F6. Ouais, donc fou F3 est vraiment... Encore que tour F6, il faut peut-être le menacer en jouant roi F1. Contrôle U, c'est sûr. D'ailleurs, fou F3 a été joué. Ce qui a été joué. Voilà, c'est... A priori, une victoire de Nino. Ok, alors, Laurie Delorme contre Sophie. Oula, il y a une menace mat. H3, dame prend G3. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette position? Une tour. Est-ce que c'est mat de mal? Bon, il faut jouer à H3. Dame prend G3. Non, je pense qu'il faut, d'abord défendre le cavalier G3. Mais attends, H3, il y a dame prend H3. Ah, H3, dame prend H3. Ouais. Ici, bah, c'est mat, forcément. On dirait que c'est mat. Fou prend, dame D3, échec, roi s'en va, et on ne peut pas jouer H3, il y a dame prend. Donc il faudrait... Non, c'est mat, c'est fini. Comme G4.
check moi. Dame prend G4. Bon, ok, dame prend G4. Bah, ici, il y a une. Y a, ici, voilà. C'est sans doute une belle combinaison, qualité de main et mat. Faut pas oublier qu'il y a la tour en 1. Je sais pas ce que ça change, mais. Mais. Allez. Voilà. Ok. Partie suivante. Donc, ah, c'est intéressant. La joueuse en tête. Donc, c'était la Scandinave. Elle a un petit contrôle. S'il te plaît. Donc, on s'est arrêté par là. Donc, le pion C6 qui est faible. C'était une position de léger avantage pour les blancs. Un peu bizarre quand même. Cette... Voilà. On ouais. Choisit de, d'enfermer le. Choisit d'enfermer le fou en G6, mais donne quand même. Ah, en... Pourquoi pas, c'est intéressant. Bah, Honda dans son élément en tous les cas. Hein. Ça, c'est des trucs qu'elle a dû jouer des centaines de fois en genre G3. Hein. Pour des attaques est-indiennes, ça arrive souvent ce genre de truc. Le fou G2 va se recycler soit par H3, soit par F1. Le fou G6, par contre, il est bien dans le mur, ouais. Et là, les noirs vont faire un. Vont faire du. Est-ce qu'il n'y a pas du chantage? Du chantage à la dame? Des coups actifs, tour A4? C3, fou G4, non, tu veux jouer? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Il faut revenir, hein. Mais peut-être je peux hop, comme ça. Ah, comme ça, ouais. Ah oui, là, c'est désorganisé. Mais là, cavalier D5. Ah, oui. Si tu vois tout. Je sais pas. Est-ce que je menace quelque chose de sérieux? Ouais, tu vas aller prendre. Je prends une dernière mot. Ouais. Tu vas aller C3. Mais cavalier C3, ça menace peut-être pas. Parce que cavalier C3, c'est sûrement emmerdant. Il y a dame D8 échec, ouais, okay. Donc on sauve. Bon, mais il y a comme il y a la tour, on doit bon, protéger c'est, à c'est deux. C'est bizarre. Ça. Donc, on est là. Tour 8 à 4. Ah. Ouais, c'est un peu dommage de si on doit jouer dame 2 tout de suite. Bon, peut-être. Peut-être, ouais. À ce moment-là, il se passe quoi sur cavalier D5? Ah, quand même. Ça a l'air merdique, mais... Tour prend C2, tu remets une tour. Ah non, mais là, tu peux jouer tour D2. Ouais. Alors, ça va pas, c'est n'importe quoi. Le mec a trouvé une idée, il cherche à le faire marcher, tu sais. Ah bon, ok, bon, genre de position... Ouais, donc, Laurie a bien abandonné, après lequel G4. Bon, a priori petit avantage, petit plus pour Honda. Alors bon, fais voir, refais. Est-ce qu'il y a, là on entre dans le Zeitnote, donc on va regarder. Mais je suis curieux, donc on peut essayer de revoir quand ça a tourné. Là, c'était très intéressant la partie de Sophie. Vas-y, vite fait, hein, puisqu'on s'était intéressé à. Donc c'est pour D4. Donc quel plan elle a choisi avec son. Voilà. F5, donc elle est F5. Puis on prend, qu'elle prend. F4, ça c'est ouais, ce F4, dame E7. D'accord. Sur F5, E5, donc elle reste, voilà, elle intervient en C5. Donc cavalier H5, roi n'est H1. Pas possible, à cause de dame C5 et dame pour H1. Ah oui, ça c'est un, tout à fait, donc, roi H1, voilà, roi H1, et maintenant, H5, la dame en E7 est très bien placée, et sur F5, E5 continue de bloquer, donc, dame E2, dame là, C5. C'est là, c'est ce que... Elle arrive à nouveau. Là, maintenant, c'est les noirs qui ont le pion le plus et c'est ceux qui ont le plus d'initiative. Ouais, mais A4, c'est pas terrible quand même. Faut jouer tour C1 ici. Je pense que la position elle reste correcte. Hein. Ouais. Craquage avec A4, donc. Parce que maintenant, il y a cavalier prend C4. Elle a du mal. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle a pas vu. Fou D5, normal. Fou A3, dame D4.
Alors, Donc sur fou prend F6. sur fou prend F8, il y a t'es obligé de faire roi. Je sais pas. Ah, mais je veux faire des trucs. Moi, bon, il Attends, allez. y a des idées. Là, ce sera pour la fuite. Après la fuite, on a des options pour la qualité. Toutes les cases. Et les tailles. Tour C6, il n'y a plus d'attaque. Ok. Ah voilà, c'est joli, Et c'est une piste de qualité. du coup, tour D1, ça c'est. Tour D1 pour faire fou prend H7, pour débloquer un C'est peu la dame. l'un des gringolades. Dame Voilà. H4, et fou prend F8, la dernière D'accord, erreur forcée. ouais. Oui, donc Ok. finalement, tendu, sacrifice de qualité. Et les Ouais, blancs. c'est non, bon, une très belle partie de Sophie. Hein. Là, deux belles parties des deux meilleurs élos aujourd'hui, avec deux victoires convaincantes avec les noirs. Enfin, peut-être. Alors, Andra contre Mathilde. On était, donc, il y avait un sacrifice positionnel de l'option. Non, je vais. Tu On l'avais était fait? parti. Non, c'est bon. On était parti là. Ouais, F4 qui a G7, c'était le danger. G4, F5, j'aime pas tellement cette façon de jouer avec les blancs là. Donc il faut rappeler que Et les les blancs ont un pions. pion de moins. Donc ils ont dû jouer avec la paire de fous et avec As noir, mais bon. On risque de. C'est encore. Et ouais, le fou est encore fort. Mais bah notez d'ailleurs, bon là, si on n'a pas commenté, mais la belle manœuvre, enfin, pas si impressionnante que ça, mais les manœuvres pour cavalier A6, B4, C6 pour faire revivre le cavalier. Là, les cavaliers en C6 aussi sont très bien placés. Hein. Là, ça sent là. Ça sent pas bon pour les blancs, non? Ok, c'est pas. Bah là, il y a une menace. Pas encore si. Le pion F4 est faible. Mais bon, chacun veut faire sur C7 D6 et sur C2 D3. Chacun veut faire sa petite histoire. Sauf que le cavalier, lui, défend le pion D5. Bon, il y a une menace. Et une menace. Ah, il y a le pion F4 en prise. Ouais, enfin, il y a F4 en prise, il y a C2 en l'air, le cavalier 6 contre le C7. Ah oui. Et il y a un pion de plus pour les noirs, déjà. Ouais, et puis cavalier prend F4, c'est cavalier H3 échec, Eh etc. oui, quoi. non, c'est. Ah bon, ben voilà, Non, ça sent papa. pas bon. Ça sent Ouais, pas ben bon pour mauvais les blancs. plan, mauvais plan, F4, On va G4, F5. confirmer parce que je dois commencer Voilà, à manquer de blocage temps. avec F5. Attends, vas-y, remets parce que là je vois qu'il y a eu plusieurs coups. Ah non. Ah si, on les a. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais prendre. Tour. Là, ça va vite. Vas-y, Non. maintenant peut-être tu peux recouper à la transmission à nouveau. Alors. Donc, cavalier prend F4. Et donc, tour D1 dans cette position. Cavalier prend F4. Voilà, comme ça on peut jouer cavalier C7 sans qu'il y ait. Et donc, sacrifice de qualité. Comme beaucoup de pions quand même. On tour prend A8, hein. Ouais. Ça c'est le prochain coup. La tour prend A8, carré C6, et il va falloir bloquer l'aile roi. Ouais. Et... Enfin, pas carré C6, non, ce que je veux dire, c'est que le cavalier peut Oui, non, aller en le cavalier C6. ira en C6 de toute manière. Il faut contrôler un peu de casse-noir Non, aussi. mais ouais, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un G5? Ah, l'assaut blanc de jeu. Donc H4. Ben oui, H4. Et. Ouais, Non, mais ok, H4 cavalier laisse la C6. colonne C. Est-ce que la colonne C, ça a de l'importance, gagner à 2? Le cavalier, il est pas mal, là. Il faut le laisser Ouais, mais monter. bon, on peut pas trop jouer la tour, il y a le pion. Ouais.
C'est vrai. Et puis tu peux aller en E5 et non, enfin le cavalier il est parfait en oui. E6, il contrôle oui. les cases, il contrôle le 5, il protège la 7, mm-hmm. il contrôle le 7. C'est sa case. Oui, mais si tu n'arrives pas à jouer H6, quand est-ce que tu vas le jouer? Moi, je laisse le. Je suis pas sûr que les blancs soient, les noirs soient pressés. Bah, H6, si c'est là, ce sera peut-être plus facile après pour moi. De toute façon, il va falloir un moment où bon, maintenant, tour C1, là, tu joues qu'à H6. Ouais. Mais je peux. Mais tour C1, j'ai la tour aussi qui est maintenant. Et maintenant, est-ce que je peux jouer? Et sur H1, c'est ce que je peux jouer G5 déjà pour commencer. Maintenant, je joue G5. Là, G5. Ouais. Fou H5. Ça, c'est l'idée aussi un petit peu. Je pense que ça vaut pas de. Ça vaut pas de donner attends, le plongé. Dans ce cas-là. Ouais, mais là, je crois que ça vaut pas. G5, non, ça vaut pas. Ouais. Roi F4. Et là, à mon avis, il y a suffisamment de contre-jeu. Parce que, regarde. Ouais, non, je suis d'accord. Tu vas en reperdre un. On va en reperdre. Au moins un. Sinon plus. Et à 7 en prise, D5, F5 et à 3 qui menacent. Ok. Enfin, donc, conclusion, c'est. Ok, cavalier C6 était joué. Bon, les noirs sont. Il y a eu H4 peut-être ? Non. Il y a eu tour C1. Ah oui, voilà. Non, la partie, c'est tour C1 là. Oui, mais là c'est normal puisqu'il faut empêcher la tour de rentrer. Voilà, et donc là il y a peut-être H4, mais sur H4, H4, est-ce qu'on peut jouer G5? C'est pas pareil quand même comme situation. H4 peut-être G5. Peut-être... Non, mais même comme peut-être ça. Peut-être juste tour E8. Hein. Ouais. Tour E8, un truc. Tour E1, tour E4 peut-être. Mais peut-être pas. Ouais, il faut se méfier de la capacité du fou de bloquer, de tout bloquer. Bon, pas si. Bon, pas encore fait, quoi. Non, non, c'est pas fait, c'est pas fait. Je suis d'accord. Mais c'est avantageux. C'est un avantage. D'ailleurs, à se demander s'il n'y a pas d'autre solution que cette prise. La partie. Ouais, peut-être. La partie de Sylvia contre Cécile. Alors, ça a avancé plus ou moins aussi comme on avait. Comme ça avait été. Tour des trois. C'est F3, donc bon. C'est F3 pour les cases blanches, on en avait parlé. Oui, elle enlève la tour de la colonne B de façon à simplement jouer à 3 avec une défense économique en fait. À 3, voilà, c'est arrivé. C5 ont le truc. Ah, c'est dangereux quoi. Là, j'ai l'impression que les pions noirs sont plus menaçants que les pions blancs. Bon, le cavalier E4 est fort, mais bon, déjà, qu'est-ce qu'on fait pour protéger B5? C'est dur, non? Est-ce que tu... Fou G3, il y a tour prend B5 quand même. Bah, est-ce qu'on peut le pousser, ce pion? Poussons-le, on verra bien. Pion prend. Tour prend D4. J'ai rien, là. Et donc, là, tu peux me faire la zanzinette, là, ouais. Par G2. Bon, déjà. Ah, mais non. Ah, non, c'est terminé. Mais non, je perds tout de suite. Mais... Ouais. Ouais. D'accord. Donc. C'est vrai qu'il y a des D5. Si tu peux pas prendre en D4, c'est grave. Ah, ouais. Et pas... il faut que j'ai une ruse. Et s'il faut que j'ai le fou. Tour prend, mais tour prend, cavalier prend, et c'est défendu. Mais là, il y a des. Peut-être des ruses quand même. Alors, remets le truc. Remets le pion en B5 avec le cavalier en C7. Il y a aussi, il faut penser à est-ce qu'ici on peut jouer fou B4. Avec l'idée de gagner la case C5 pour le cavalier qui fourchette. Et les tours sur la quatrième rangée est-ce qu'elles vont réussir à arrêter un petit peu tout ça?
Bon, là déjà, un avantage, c'est que tu peux pas prendre avec la tour. Et que tu peux pas prendre avec le fou. Bon, alors on signale la partie de Sébastien Mazet. Allez, priorité au jackknot. Dame prend G4. Juste voir. Oula, c'est vrai qu'il s'en est passé des choses. Donc on s'est arrêté là. Cavalier B6. D5. D5. C'est bon, pas vu. Oui. Bon, donc il a une qualité de moins. Il est juste très mal. Ah non, il y a le 6 qui est en l'air aussi. Mais bon, même Ah non, bah, dame, je pense qu'il est à quelques coups de l'abandon ici. Mais attends, est-ce qu'il y a dame E5 alors? Dame E5, pion prend, roi bouge et fou H6, est-ce que ça peut fonctionner? je dirais que intuitivement, je dirais que les noirs sont totalement perdants. Ah, peut-être que tu peux simplement prendre là-bas. Mais à ce moment-là, dame H4, pion prend, roi prend. De quoi? Non, dame E5, il faut le Dame faire. E5, ouais. Tu en prends? Ouais, ou fou H6, alors est-ce qu'il y a fou H6? Fou H6. Fou H6, fou H6, c'est emmerdant quand même. Ah, fou Fois 6, H6, fois peut-être. H8. Je prends H7. Ah. Alors, dame prend G6, c'était joué. Oui. Alors, les temps, c'est quoi? Pion prend G6. Mazet, A. Ah, pion prend Et G6, dame prend Mazet avec E6, 30 emmerdant. secondes. Ben, il y a dame G7 là et on est il va bientôt ça bientôt il va bien ça va bientôt s'arrêter. Ouais, Dame c'est une raquette de G7, moins. dame E4, bon, encore quelques coups, mais Bon, bon, il n'y a pas de raison que. oui, il n'y a pas de raison de Garamion, il gagne pas ça. Ouais. Non, mais ça avait l'air extrêmement risqué de faire cette affaire. Puis cavalier B6, on l'avait vu, quoi. Cavalier B6, ça posait un souci quand même. Ouais, donc il a refusé la répétition de coup à ce moment-là. Par fou C1, mais. Ah, ok, bon. Dame prend G6. Ça sent pas bon pour les. C'est fini à ce niveau. Si tu continues par inertie pour le Zeitnote, mais bon là, je vois pas franchement ce qu'il pourrait. Ouais. Ok, bon alors. Les autres parties chaudes. Ah bon bah finalement Mathieu a fait nul facile avec la manœuvre que tu avais mentionnée, fou F5, fou E4. Et dame G5, tout ça on en avait parlé. Pour Ah, pour B6. B6. Oui, ben On s'est arrêté là, ouais. je regardais ça, mais c'était juste au moment où on allait passer à autre chose. Ça semble, c'est vrai que la tour D7, elle est Ok, pas. encore une très bonne nulle de Mathieu Cornette hein, qui fait décidément un très bon tournoi. Alors, les parties qui sont pas encore terminées. Ah, Chabanon, c'était chaud. Il a perdu une qualité, ou sacrifié une qualité. Ça a l'air bizarre cette affaire pour lui. Ben, vas-y, Qu'est-ce qui s'est regarde passé? alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Alors, roi C8, A4, A4, cavalier KV5, B7. KV5, KV5. Waouh! Ben, c'est n'importe quoi. Ah oui, non, il a Il a pas vu loupé cavalier cavalier C6. C6? Ouais. Et ça c'est dommage. Ouais, bon, bah. Dommage pour Jean-Luc Chabanon hein, qui avait une super position. Fou F4, tour H8 là. Ah oui, non, mais maintenant c'est une vraie. Bah Bon, ok, ouais, c'est pas enfin encore bon, fini, c'est puisqu'il y a la pas. paire Il de y a. fous, C'est, ouais. y a plus beaucoup de pions, mais. Ok, enfin, c'est. Bah vas-y, tour H8, C5. Un tour de 3 était joué. Ah, bon, ok, enfin, c'est. Ouais. C'est pareil que pour Tigrane, quoi. C'est encore le Zeitnote, on verra après le 40e, mais bon, il n'y a pas de raison que. Bon, allez. Pour les garçons. Il Ah prépare non, la finale. il y a Andrei aussi. Oula. Tour prend le 6.
Dernier coup. C'est pion d'avance. Hein. Bah oui. Un draille en plus. Voilà, bah c'est bientôt fini. Et il va gagner la finale. Pion C6, pion C7, la tour qui avance, tour F5. Voilà, donc il sait. Alors vas-y, regarde comment ça a été embrouillé. Fou G5, bon, au moins l'avantage c'est qu'on. Je chasse, je viens, F5, je viens E5, normal. Je monte, je défends, j'y vais et je combine. Et voilà. Et oui, sur la. Ah ouais, l'erreur. Cavalier prend H6, sur cavalier prend D4, il y a cavalier prend. Voilà. Ça, c'est, est-ce que c'est un coup sur F2? Peut-être pas si clair encore. Hein. Là? Dame C2, tu joues? Non, bah, je vais essayer de rester en. Je vais essayer de rester en G6. Ou en G4, je sais pas. Vas-y, G4. Ok. Ah, peut-être tour 3 quand même. Ouais, tour E7. Voilà. Et donc, si là je prends. Je sais pas, non, et 8. Donc, je vais essayer de trouver une autre case pour madame. Dame G6, tour prend C6. Ah, mais après, peut-être une autre idée, c'est de jouer Dame C2, tour prend F2, Dame prend F2. Et de manger C7. Mais attends, sur Dame G6, tour prend F2, c'est, j'ai pas tour E8. Dame A2. Ah ouais, je prends rien du tout. D'accord. Donc, ah bon, faire... alors peut-être pas si là. Ah, moi je pensais à ça aussi. Tu peux aller plus vite en allant par E6. Ah, mais tour E6, tour A6. Ah oui, tour E6, tour A6, c'est bon. Mais là, attends, vas-y, tour F8, je suis sûr qu'il y a un truc. Non, attends. Est-ce qu'ils ont joué? Ah non, mais il a joué ça, cette variante. Il a joué la variante que. Bon, ok. Un petit tour vers les filles. C'est ça qui a été joué? C'est ça qui a été joué. Ouais, petit tour. Vers les filles. Mais sur tour C7, t'as tour A7 aussi. Ouais, ok, mais peut-être tour E8, tour C8. Voilà. Toujours pas. Elle a pas gagné de pion. Alors, on part sur un coup. Anda. Ah, les noirs ont réussi à recycler leur pièce. Ça paraît pas mal pour les noirs, non? Enfin, bon, prend F7, il va y avoir. On prend F7, roi F2. Ah non, il y a CD1. Bon, bah non, fou prend. On apprend ici. Ah, Dame D1. Dame D1. Essayer de faire une ruse. Dame D1, c'est okay, ça, donc, ce qui a été joué. Ouais, c'est ça. Ah, oui, c'est normal. Ok, donc encore nul, un petit plus. Draw. Ouais, peut-être. Bon, ouais. Non. Qui a priori nul. A priori, dès le 40e, ça va être nul. Nino. Comment va cette finale? Je suis un peu plus. Elle n'a pas gagné deux pions. Alors vas-y, fais voir. Ouais. F3, AC5. Ouais, mais là, peut-être des petites chances de nul hein, pour les joueurs. Bon, ça reste super bien pour les blancs. Bah, notre tour prend. Bah, en fait. Ah, mais bon, le roi est actif. Enfin, des problèmes techniques en tout cas de conversion. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, si tu mets pas le pion en H, et donc le problème de conversion, c'est que le roi est H4, puis on compte là. Ok, tour C6. Ah, ouais, voilà, là il y a des tours A6 qui menacent. Bon, pas si simple. On verra après le 40e, il y a encore des parties.
qui sont en 19. Ça sert à rien, tour là, si, si, tour là-bas, tour à 4. Enfin. Ouais. Donc là, moi, je sens qu'il va venir en force. Est-ce qu'il y a. Non, parce que maintenant, si tu abandonnes la colonne, il y a tour C8 et tu vas finir par avoir des. D'accord, non, ben voilà, là, c'est trop de pions, il y a trop de pions. Ouais, là, c'est la marée de pions, G5 va venir en force. Ouais, aussi. G5, F4, et puis d'un seul coup, ce fou qui avait été. Cet enfant perdu. Oui, depuis le début. Voilà, ça y est, là, il va se retrouver tout beau, le roi arrive en E5, le fou en F5, le fou en E4, et ça avance, le fou en E4, regarde, il défend tout de même, il va défendre B7. C'est fini. Ouais. C'est pas un compromis. Là. Encore une partie. Et donc, fou B4 a été joué. C'était le coup qu'on prédisait. Et donc, toujours pas de réponse de Cécile Serneur. Je vais regarder le temps sur cette. Ah, ça affiche 0-0. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est tombé? Alors attends, je vais faire un petit Alt F2 parce que fou V4, j'avais vu cette case. Je suis très curieux de savoir ce qu'on en pense ici. Comment est-ce qu'on évite le. Ah oui, on a des défenses. On a des défenses. Ouais. Oh, c'est vraiment incroyable quand même, ces trucs-là. Fou E7. Fou E7. Malin. Elle est tombée. Cécile Auxerno est tombée dans cette position. Eh oui, elle ne pouvait pas prendre B5, elle a dû être surprise. Bon, est-ce qu'elle est arrivée en retard comme d'habitude? Est-ce que ça lui a coûté? Peut-être. Je ne sais pas, parce que d'habitude, effectivement, moi je viens un petit peu plus tard pour les retransmissions. Je la vois à chaque fois. Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Et là, je ne l'ai pas vue. Soit elle est arrivée après, soit elle était avant. Elle est visible, c'est bon. Elle n'a pas pu abandonner dans cette position, donc c'est donc qu'elle est tombée. Ah, mais là, tu as vu le 1-0? Ah oui, elle est tombée. Tombée au tour. Alors, est-ce qu'il y a encore des Zeichnots chez les garçons? Ah, c'est pas la même ronde que les autres fois. Hein. On dirait qu'il y a beaucoup de nuls ici. Ouais. Donc encore un coup de Romain pour atteindre le 40e. Et il y a tour E7 qui menace. Oui, il y a tour D8, donc ça c'est pas très compliqué. Il faut pas trop ce qu'on peut faire hein, sinon. Donc tour D8. Tour E7. Tour E7, roi A6. Et du contre-jeu avec. C'est. Ouais. Alors, attends. Est-ce que l'autre partie a encore un Zeichnot? Et donc c'est plus ou moins ce qui s'est passé, ce qu'on avait prédit. Tour E6, tour B8, il n'a pas voulu rester passif. Ah oui, il y a tour qui vient en G6, sinon tu ne bouges plus. Il faut vraiment. Et ça, bon, ça ressemble à des bonnes chances de nul quand même. Là, tour prend G3 et tour D3. Hein. C'est nul tout de suite, non? Est-ce que c'est nul tout de suite? Vas-y. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut. Échec. Tour prend C6. Échec, tour prend. C6. Il faut que le roi sorte en F7. Et il y a le roi qui vient en E7. Donc la tour en C7. Et quand on passe au bout, on prend et il y a roi D6. Donc en fait, tu. Ouais. Moi, ça ressemble à une nulle. Non mais là il a si c'est ça il y a pas mieux. Attends, vas-y. Fais le. Allez, tour prend E6, tour E8. Là. Allez, tour E8. Moi je suis paresseux. Je suis pas Maxime. Quand je trouve pas, je mets un petit coup. Dame E5, tour prend F2, tour E7. Moi il trouve rien de. Alors, ouais. Bon, dame C2, tour prend F2, dame prend, tour prend, tour E8, tour F8, tour E6, tour B8, tour prend C6, tour prend E3, tour prend G3, roi F2, et donc là tu ne peux pas jouer tour D3. Ça tombe. Tour D7, tour prend, C6, ça.
ça gagne. Et ouais, c'est horrible. Tu vas gagner en. Là, t'es en zugzwang à chaque coup. Ouais, tu... Non, mais à chaque coup, je te prends le pion D et tu peux jamais bouger. Ah ouais, bravo. Eh oui. Roi F3, premier zugzwang, t'es obligé de passer, de lâcher la quatrième ou roi E3. Ouais, roi E3, tu n'as pas mal. Tu lâches le pion, puis ensuite le roi vient, vient se cacher, et puis c'est fini. Bravo, bravo André. Bravo, bravo. Ok, donc ce serait peut-être, probablement, probablement une nouvelle défaite, le malheureux Kevin. Non, mais ça, s'il l'a joué, parce qu'il est rentré là-dedans. Ouais. Sinon, il aurait alors, Sébastien, est-ce qu'ils ont atteint le 40e? Bon, il n'y a même pas un pion par qualité. Non, c'est... La tour vient défendre maintenant. T'es immobilisé avec ton fou. Ok, donc ça, c'est. Il va peut-être sûrement abandonner. Il a joué de tour C8. Bah, tour E7, c'est pareil, il y a quand même du jeu. Quoi. Tour E7, roi A6. Donc, mais c'est marrant alors. Qu'est-ce qui s'est passé durant les éclats? Parce que là, je pense que tout le monde a atteint le 40e. On s'est arrêté là. Tour 2. Ouais, je suis pas sûr que. Ouais, alors attends. Il y a une manière optimale de dire. Ah ouais, parce que tour D3, c'est. Attends, regarde. Où est la place de tour D3? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, là, il faut jouer C5. Bon. Si je fais échec, c'est vrai que je te fais ressortir. Mais que de toute façon, tu vas. Ouais. C'est un peu embêtant aussi. Hein, oui, parce non, que... non, bien sûr, c'est pas ça. Et je peux pas aller en D2, je peux pas. Ici, c'est quoi là? C'est quoi le truc qu'il faut faire? Je peux pas les fous. Il faut ce monstre. Il faut que je pique un fou. Bon, je fais échec, tu viens là et j'ai tout ça, ça ne servait à rien. Je peux défendre un par A6. Mais les fous balayent bien. Hein. Donc c'est pour ça. C'est... Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Puis on prend roi F2. Et comment je pars tout ça? Ah non, toujours très compliqué avec la paire de fous. Quand j'ai pas. Je peux pas jouer encore jouer qu'avec le 5. F4. Alors est-ce qu'il a fait exprès de jouer cette position? C'est puissant quand même, parce que là vraiment c'est difficile. Ouais. Enfin, ça paraît bizarre parce que. Ou alors c'est vraiment de la grosse compréhension. Remets voir la position actuelle. Allez, attends, je vais essayer de. Voilà, en fait, il s'est trompé à un temps près. Il fallait d'abord activer la tour, puis ouais, jouer tour D3 de façon à ce qu'il n'y ait pas la case D5. Tour D3, roi F2. Et tour prend C3, ami sur tour A. Maintenant, il y a tour prend C5. Oui, défend tout. Et moi, de voir la position actuelle, là, ça paraît peut-être même plus agréable pour les blancs. Bah, je pense qu'il va peut-être y avoir des soucis avec le. Bah, là, il y a un problème avec AIB7, donc échec. Mm-hmm. Non, échec. Roi A6. Tour prend G7. Et son idée, c'est cavalier A5. Son idée, c'est cavalier A5 parce que. Voilà. Mais là, il y a roi C2. Et là, tu peux pas prendre parce qu'il y a fou B7 échec. Les fous, ils. Et sinon, il y a peut-être une autre idée, c'est vrai. Allez, on enlève. Hop. Allez. Interdiction. Qu'est-ce que tu fais progresser?
Si je joue juste tour E6. Si tu joues tour E6, que fais-je pour progresser? Si tu peux pas. C'est une très bonne question. Je peux pas jouer beaucoup de pièces, quoi. Et je suis tout à fait content que tu me l'aies posé, figure-toi. Juste tour A3, t'as juste la tour A3 qui peut bouger. Je joue tour G6 au prochain coup. Peut-être c'est encore plus fort que tour E7. Ah, peut-être c'est Jean-Luc Camus. Étrangement. Je ne suis pas tout à fait persuadé. Déjà, je vais te faire un petit peu. Je vais te faire. Est-ce que je peux te faire un petit peu d'échec pour te titiller? Tu vas aller... Oui, ça, bien sûr. Bon, j'ai en H3. Tu vas aller en B2. Ah, voir B2. Voilà. Bon. Donc maintenant, est-ce que je peux faire sept coups? Tour B3. Ouais, sur tour G6, tu veux jouer? Sur tour G6, je veux jouer B5. Bon, tour prend G7. Tour prend G7. Roi B6, peut-être aussi. Roi B6, il faut autre. Ouais, et donc là, si je combine comme ça, ça va pas marcher. Bah, je vais reprendre. Ouais, on reprend. Et là, j'ai. Hélas, B4, tour G6. Faut que j'aille vite. Donc, il faut que je contrôle la case aussi. Un petit. Cavalier E5 est tour là-bas. Bon, je prends. Et là, c'est. Fou prend était mieux. Mmh. Oh, ouais, ouais, enfin bon. Ouais. Bon, enfin, ok. Oui, c'est peut-être nul, mais bon, des chances de gain pour les mains. Quoi. Ouais. Aucune pour les mains. Bon. Ok, bon. B5, tu reprends G7. En tout cas, très intéressant. Si je vais là. Non, mais ok, peut-être. Non, mais là, tu fais ça, quoi. Oui, c'est fort, ça. Ouais, j'ai perdu du temps. Donc, faut que j'aille là, vraiment. Là, tu fais ça et là. Attends, sur Roi 6, il y avait ses premiers ça, mais c'est. Ouais, enfin bon, là c'est ça, de toute façon, qu'il faut faire. Et non, là, mais ça va mater peut-être. On reprend. Non, mais là, il n'y a pas. Là, j'ai un tempo, donc je sais pas, je peux essayer d'être. Peut-être je peux être malin, là. Est-ce que je peux écarter d'abord ton roi? Parce que là, si j'écarte ton roi. Un peu bête parce qu'il a la colonne C. Ah, mais t'as roi F4. Bon, c'est débile ça. Donc, j'ai rien à gagner. Roi prend. Là, si je pousse, tu reviens avec le roi. Ah, peut-être je peux pousser quand même. Parce que j'ai du contre-jeu. Bah, bon. Roi tour là. Loin, quand même. Voilà. Et maintenant, tu encaisses. Ah, mais là, tu vas être mieux, non? Ah, non, B3, t'es dans le carré. Donc. Ouais, mais là, B3, c'est vrai que c'est dangereux quand même. Ah non, mais tu lui changes tout, là. Ah, mais tu peux pas tout échanger. Il faut prendre C6, B2. Ouais. Là, tu reviens, et là, je peux faire nul, là, je pense. Tu fais ça. Je fais ça. Tu viens là. Ah, mais je peux... Et là, je fais échec. On apprend. Cavalier prend. On prend, on va prendre une. Bon, de toute façon, là c'est une longue variante, comme on dit, longue variante, mauvaise variante. Mais toi, allez, un petit tour de table. En cours, des nuls, Frassinet cornette nul. Ça on a dit. De Grave Bacro. Okay, de Grave Bacro finalement nul. Etienne voilà. Fini par faire nul. Voilà, Sokolov, Roser. Ben voilà, on va voir si c'est fini. Parce que voilà, donc la variante a été jouée et c'est bientôt fini. Ouais, donc, belle technique dans André. Donc ça c'était ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Le pion va venir en C7, la tour va y avoir prochainement tour C4, C7, roi H7. Voilà, seul coup C4, parce que si on F8 il y a tour. Il y a tour D8 et C8. Roi H7. Et en fait, c'est Zugzhang. Le roi va venir en D4.
prendre le pion d'E5, aller en D6 et Kevin. Aller en E7, en D8 ouais. Et faire dame. Il y aura un bandeau. Ouais. Ok, alors, petit tour chez les filles. Alors, on est parti en cours. Bon. Pion de plus, meilleure structure. Bon, ça devrait gagner. Pas de raison que ça soit pas gagnant. Ouais. Tout, ça reste à faire encore. Là, je pense qu'elle veut écarter. Elle veut viser le pion H6, mais la tour le défend encore. Je sais pas ce que. Non, mais là, maintenant, on va juste fois 3, on va jouer roi F1, roi 2, roi D3. Les noirs sont en cours d'idée aussi. Mais attends, là, il y a tour H6 quand même. Laisse faire. Ah, c'est ce qu'elle veut faire. Oui. Mais à ce moment-là, le pion H6 est en mauvaise posture. Ah bah ok, ça doit gagner quoi. Ouais. On va pas aller. Ouais, enfin bon, voilà, c'est une des parties aussi. Enfin, ça va être intéressant à suivre. Peut-être une défense. Ça doit avoir un certain nombre d'avance, mais encore quelques difficultés techniques. Hein. Alors. Ah. Est-ce qu'on peut jouer ça ou est-ce que c'est vraiment totalement nul? Avec la dame en D3, est-ce qu'on arrive à faire des choses? Je ne sais pas. Mais c'est un peu dangereux aussi parce qu'il y a pion prend. Prend. Non, pas celui-là. Pas celui-là, celui-là. Et la dame peut. Et on peut s'activer avec en réussissant à jouer C4. D3, dame B4. Dame D2. Ah, là, je vais pouvoir jouer cavalier. Ah, il y a cavalier D2, d'accord. Oui, c'est une mauvaise idée en fait. Ouais, non, il faut jouer. Oui, il faut jouer de l'autre. Il faut jouer de l'autre, mais dame D3 quand même. Oui, bon. Mais ça. Non, même mais. L'échange, non, c'est nul. Quoi. Oui, bon, mais. Bon, les blancs peuvent tourner, mais bon, ça sera nul. Quoi. Il y a rien à faire. Non, bah, a priori, nul, mais bon. On peut jouer un peu. Mais non, ok. On est parti avec. Bon, B7 est en l'air, mais bon, a priori, on s'en fiche. Là, il y a même roi E5. Je pense que c'est l'idée d'ailleurs. Là, c'est des trucs comme roi E5 et profiter, voire profiter de. Bah là, il va y avoir roi E5 de toute façon. Ouais. Il va y avoir E5. Enfin, bon, c'est non, mais elle veut pas donner la case. Est-ce qu'elle veut pas donner E7? Ah, en fait, tout paraît fort pour les noirs, même tour H3. Bon, tout ouais, roi 5 et G4. Roi 5, ça va très très fort. Ça va le plus loin possible. G4. Ok. Attention à l'échec. Ah mais ça, c'est... comme bien même, il y aurait un coup de défense miraculeuse pour les blancs, c'est trop dur à jouer. Je pense. Avec les noirs, on déroule, c'est facile. Enfin, je pense. Puis objectivement, je pense que c'est fini. Peut-être que je surestime la position noire, mais bon, ça paraît hyper facile. On peut juste les pions en faisant l'échec. Ah ouais, roi G2, c'est pas encore. Torfou n'est pas encore actif. Ah tiens, j'ai une idée là en fait, plutôt que tout ça. Ouais. T'es avec le roi en F6. En fait, tu. Bah, peut-être ça, ouais. Enfin, mais tu passes en E3 avec la tour. Donc, c'est-à-dire là, dans cette position. Bah, roi E5, c'est pas mal. Ça, et maintenant, tour H3.
Sur roi 2, il va y avoir h4, une gain de temps, roi f2. Roi f2, ouais. Donc là, je fais tour h2. Voilà. Et là, c'est, j'ai la position que je veux obtenir avec tour e2. Voilà, je limite pour limiter complètement le contre-jeu et faire rouler ensuite les pions en activant la tour. Bon, ok. Pas encore fait, mais. Ouais, enfin, si, ça, ça, ressemble, ça, ça, ça ressemble beaucoup à futur gamin. Alors, sur quelle partie tu vas revenir là? Donc, G4 raté, je crois. Ah, G4, c'est rusé parce que sur Roi F4, il y a tour H3. Et c'est avec mat. Donc, pas de blocage à ce niveau-là. Donc là, le roi doit choisir sa case. Peut-être G2 pour empêcher les échecs. Roi 5 maintenant. Ouais. Roi 5, tour d'un F4. Ouais, mais il y a c'est rapide, non? Tour échec. Roi F5, tour E7. Et tu dois faire des tours H6. Ouais, pourquoi ouais, je pas? peux faire F3. Mais... Allez. D'abord un petit F3. Un petit F3, je suis pas sûr que ça va. Bah bon, ça sert. Mais... Ah, tu veux. La roi G3. Roi F2. Roi G3. Je te mate pas. Ah, bon, on n'en a pas plus atroce. Bon. Ouais. Ok. Et même roi E5 et tour H6 avec F4, c'est bien tour H6. Tu vas jouer D5. Ouais, bah je crois qu'il n'y a plus rien là. C'est peut-être la plus compliquée. Ah, il a joué tour E6 d'ailleurs. Il a joué tour E6. Donc non pas tour E7 échec. Roi E6, tour prend G7, mais le tour E6. Et les noirs manquent d'idées. C'est là on peut même jouer fou F3. Voilà. Donc tu fais un contrôle. Fou F3 et. Ouais, fou F3 et ça bouge pas. Alors que les blocs ils ont encore un coup utile, c'est tour G6. Une des tours premières. Ah, c'est. Ça paraît plus dur à jouer pour les noirs en fait. Dès que tu fais tour prend G7, par contre, ça, le roi va okay, G6. Non, mais c'est tour G6, je suis pas obligé de prendre en G7 après. Je vais jouer tour G6, ça, c'est encore un coup utile. Les noirs, on sait même pas trop. Oui, même alors, là, on joue quoi? Mais un tour C2? Est-ce qu'on serait pas, est-ce ah, qu'on ce serait pas la nulle comme une ça nulle ouais. Ouais. Peut-être. Bah oui. Ouais, ouais. Nulle de bonne alloi. Donc en fait, paire de fou, c'est tellement fort que même avec une qualité à un pion de moins, on fait. C'est l'adversaire qui doit trouver la nulle. Ok. Bon, bah, en tout cas, une sacrifice intéressante de Jean-Luc en Jack Nat. Ah oui. Peut-être une erreur de Romain. Hein, ça, mais... ouais, c'est impressionnant. Donc, très impressionnant de comprendre que cette position. Est... Ouais. En Jack Nat, comprendre en avance en Jack Nat que cette position est sans problème pour les blancs, c'est assez impressionnant. Alors, est-ce qu'il y en a ce Call of Roser est terminé? On tourne ça, mais bon, là, voilà, on va prendre les 5. Il n'y a rien à faire quand le roi vient en D8. Sur tour d'un échec, il y aura tour D7. Et ça, bon. C'est bizarre d'avoir bougé la tour d'ailleurs. Ah, il fallait un sous-angle. D'avoir bougé la tour. Pas ça. Non, il fallait un coup de tour. Il fallait un coup de sous-angle. Ouais, il n'y a pas le choix. Ouais, on va prendre des 5. Il fallait, oui. On attend l'abandon.
Et donc, l'autre partie en cours, c'est Sébastien Mazet qui a sa qualité de moins. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait plus rien. Ouais, bon. Peut-être c'est pas si facile là. Enfin, j'imagine pas Tigrane ne pas gagner ça. Dame, ici déjà, dame C1 échec et dame prend B2. Pour voir un petit peu ce que les noirs ont prévu. Ce que les blancs ont prévu, parce que là quand même tu t'attaques ton fou. Ça veut dire que je te gagne après C3. Ah, ils ont prévu ça. Ah. Ok, donc fou G3. Du coup, fou G3, on prend pas. Fou G3. Ah bon, il a joué dame C7. Dame C7, dame H8 encore. Bon, ok, ça. Ça va tourner encore. Dame H8. A priori, dame H8 à venir. Il veut jouer E5. Et sécuriser le roi à l'aile dame. Ah, mais ok. Enfin, Tigrane devrait finir par. E5, ton fou, il a plus de cases. Ah oui, non, mais je suis. E5, là, je suis d'accord, c'est trop bien. Ah, ton fou, c'est pas le tien. Hein. Le roi, maintenant, il va se réfugier sur des trucs sûrs. Le fou est bien bloqué. Mais je suis curieux, pourquoi il n'est pas rentré? Est-ce que c'est vrai qu'il y a fou G3? Alors. Vas-y, attends. Donc c'était. La retransmission. Ouais. Alors. Non, mais je pense que en se sachant gagnant, il préfère prendre son temps et donner aucun contre-jeu plutôt mais que. Non, mais c'est emmerdant, super. Ah oui, emmerdant, fou D6, on fait quoi là? Oui, je suis d'accord. C'est un piège horrible. Fou D6, c'est pas de cool. Ah, mais enfin. Quand bien même dans l'esprit, on préfère garder, je pense, le truc où on se sait totalement gagnant. Non, bah oui, non, mais là c'est même pas une bonne idée. C'est une idée merdique, quoi. Voilà. Un fou D6, c'est dur. Dame C7. Ouais, non, mais Dame C7, normal. Dame H8, probablement revenir. E5 aussi, probablement revenir. Et futur rien. Oui, là, tu te caches. Tu te caches facile. Et futur rien. Ok. Bon, mais c'est pour ça qu'il y avait que des parties vraiment où on sait ce qui va se passer. Alors, il n'y a pas de partie. Est-ce qu'on peut regarder un petit coup l'accession? Allez, on regarde l'accession. Alors, je crois que Sevan Muscara a fait une super partie. Il a fait nul contre Adrien de Mute. Ah, il a fait nul. Oh là là. Il a totalement gagné. Enfin, ça ressemblait vraiment. J'étais passé par là. Alors, j'étais venu voir, c'était ça. C'était ça, avec Dame G5 comme pointe. Tour F8 comme pointe. Et ça semblait vraiment totalement gagné. C'est fou, quoi. Et donc là, il a pas trouvé, quoi. Peut-être ça. Ce serait bizarre qu'il a pas. Je pense qu'il a dû y avoir un gain et il n'a pas vu. Dame D3 avec 40e pour Bovenu en s'entendant en tournée. Bon, peut-être c'est encore un pour les noirs. Ouais. Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y a eu des autres résultats? Jules Moussard a battu Paul Velten avec les noirs. Alors, déjà, première défaite de Mancini. Maxime Lagarde, le favori ou un des favoris en tout cas de l'accession. Qui a battu la surprise. Oui, le favori de la question qui a battu l'invité surprise, Mario Mancini. Super Mario. Super Mario, voilà. Ok. Je pense que c'est la première fois qu'on lui fait ça. Super Mario ? Ouais. Ouais, c'est sûr. Les autres résultats, donc. Oula, ça allait vite, ça. Paul Velten. Ouais. Alors on voit pas.
D5, oui. Le pion B4 est cloué. Maintenant, je pense que l'idée, son idée sur D5, c'est sur pion prend de faire. Pion prend D5. Ça. Ouais. Simplement pion prend B4 ou il veut faire des trucs avec C4. Il veut faire pion prend B4 tout ça. Prend B4. Bon, ok, bon. Ouais, il y a cavalier A4 quoi. Un peu compliqué. Ah non. Ouais, donc le fou est devant prise. À B3, ça c'est le genre de coup qu'on peut oublier. Tour C2. Ah, il a dû oublier le coup B3. Surcharge de la dame, dame prend B3, dame prend B2 mat. Ok, bon, belle partie du Moussa. Alors, on a une partie en cours quand même, peut-être jeter un coup d'œil, mais non. Pierre Barbeau contre Manuel Apicella. Ça ressemble à un bon avantage noir. Hein. Non. Peut-être. Fou prend D3, C prend D3. Peut-être obligé de défendre passivement là, j'ai tour B2 ou quelque chose comme ça. Ben je fais fou prend, ouais. Fou prend D3. Roi, je vais en E3. Mais est-ce que tu peux forcer le passage là? Est-ce qu'il y a une combinaison? C'est possible qu'il y a des. Dans ce genre de truc, il y a des combinaisons de partout. Ah oui, peut-être que regarde, cavalier, oui, ça gagne. Cavalier G2 échec. Ben, ça gagne, je sais pas. Ou alors est-ce qu'on peut revenir? Mais si roi prend, il y a cavalier. Alors, est-ce que tu peux revenir avec ton roi en F2? À ce moment-là, j'avance. Si je joue mon roi... Oh, putain, il... sur F5. Ouais. Bon, ok, c'est... Ouais, sûrement... En tout cas, c'est avantage noir, après, est-ce que ça gagne, c'est... Ouais. Mais là, H2, F3... Ok, fou prend D3 a été joué, c'est prend D3. Bon, ok, peut-être tour B2 aussi pour. Tour D1 aussi. Tour D1, tour B1. Tour B1. Bon, en tout cas, c'est parce qu'on a envie de jouer avec les bandes. Ouais, et là, il faut voir ce que Manuel le rusé a prévu. Allez, tour B1, on monte la variante, D2. D2. Ah, roi E3 a été joué. Donc, H2, tour B1, cavalier E2, tour H1, cavalier G3, tour H2, cavalier F1, et en dégâts. Redox, ouais, c'est un malin. Ok. Donc, voilà, les deux grands maîtres, numéro 1 et 2, peut-être se replacent là, dans le tournoi. Alors, est-ce qu'il y a eu de nouveaux résultats? Virig, il n'était pas là. Andrei a gagné. Ça, est-ce qu'ils ont fait nul ou pas? Ah non, alors, fou F3, tour B2, fou D5, B5, ok. Ah, il le veut. Il le veut. De toute façon, Romain, on le connaît combatif. Hein. Ça, on le connaît. Alors, est-ce qu'on est obligé de jouer fou? Et pourquoi le roi est en E3 d'ailleurs? Pourquoi fou D5? Pourquoi pas tour G6? Parce que je crois qu'il a peur de tour échec. Et tour prend. Tour prend F3. Ouais. Mais ici, on dirait qu'il n'a pas à avoir peur de ça. Ah si si, ah non. On va la retransmission. Tour G6 qui est... Ah bon, on va n'importe où.
Bon, enfin. Tour G8? Tour G8, tu crois? Non, il a fou. Enfin, non, il est cavalier E5. Ouais. Et tour G8, tu joues ton roi, et là j'ai l'air bête. À moins qu'il y ait cavalier E7. Ouais, mais ça, on ne croit pas. Bah, ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je crois qu'il est obligé de. Je crois qu'il est obligé d'aller, okay, d'aller chercher. B5, les... mais bon. B5, non, parce que B5, c'est pas dit que. Les morts sont mieux aussi. Ben non, là, je comprends pas ce que fait Sauron. Ah oui, c'est en E3 aussi. Ce que fait Sauron en E3. 3 de chez. En E3. Ah, d'accord. Ouais, il est pas D3. Ouais, donc là, il fallait jouer ton G6. Malgré tout. B5. Oui, parce que maintenant, bon, tour E7. Même roi B6. Et exactement, c'est ça. Roi B6, il n'y a plus fou E3. Là, ça retrouve, on retombe sur une certaine. Est-ce qu'il va réussir à arracher ce point? D'accord, ça va être la partie à suivre. Alors, vas-y, est-ce qu'il y a des trucs chez dans les autres? Je terminerai de. Ouais, bon, tu vois. Que dire de plus si ce n'est que Tigrane va toujours gagner cette position? Ouais, bah là il répète donc. Enfin, je sais pas pourquoi il fait ça. Ah, d'accord. Et donc, tu crois qu'il a fini par trouver un truc sur les coupes? Je sais pas, je pense qu'il est en train d'étudier. Et soit il répète pour répéter, soit il veut prendre un 4. Soit... Je crois pas, de toute façon. Donc, pour rappel. Prendre B2 et pas forcément conseiller, après fou G3, menace fou D6. Bon, les blancs obtiennent du contrôle. Non, mais des fois il peut gagner sur les 30 secondes, je sais pas. Oui, non, bien sûr, enfin, sans répéter. Mais là il y a E5 aussi. Pas de soucis. Finalement. Dame D5, on va sortir des échecs. Dame D5, roi G7. Finalement, ça s'arrête vite. Hein. Ouais. Peut-être c'est ça son idée. Ouais, peut-être oui, E5 finalement. Il s'en est rendu compte, il a eu le temps d'analyser en jouant d'MC7 et. Je sais pas. Ah. Ouais, bon, ok. De toute façon, je parie vraiment sur les gains de Tigrane, ça n'a pas trop de soucis. Alors. Bon, de toute façon, il n'y a plus sans doute pas. Ouais. Il n'y a pas grand chose. On n'a pas de fin de partie passionnante. Oui, si, donc ça. Avantage symbolique, mais vraiment uniquement symbolique. Non, parce que le pur étant H4, je ne sais même pas s'il y a un avantage symbolique ici. Ah oui, non. Enfin, de toute façon, je pense que c'est totalement nul. Bon, quitte à choisir, c'est vraiment, je devais la jouer. Ça, alors, regarde, sans pouvoir F5, F4. Nul, F4. À la. F5, F4, à la. Ah, mais là, c'est un mode jeu. Toi, tu peux jouer G4. Vraiment, je vais faire mieux. F5, F4, j'ai vu 40 versions comme ça. Oui, oui. Vous avez un pied. Puis on prend. F5. Ouais, bon, ok. Même ça, enfin. Je mets tout sur blanc, roi F3, cavalier E4, et puis. Ouais, bon, si tu prends, on peut se serrer la main. Si tu prends pas le sentiment. On peut se serrer oui, la main. Oui, bah là, je comprends pas pourquoi elle continue. Hein. Ah, mais bon, aussi. Elles ont le droit. Mmh. Enfin, maintenant, ils ont le droit de proposer une aussi. Mmh. Ils ont le droit de continuer aussi. F5 avec les défis. Alors, ça. J'ai pas eu énormément de coups. G2, E5. Regarde, D4. Bon. Enfin, ça. Bon, ça a toujours l'air gagnant pour les noirs. Hein. Oui, c'est un petit peu pour ça qu'on dit que. Ouais. Enfin, voilà, il va falloir avancer là. Hein. F4 tour E5 peut-être. F4 tour E5 fou F5. Ouais. Ou fou D7. Ouais, fou D7, fou C6, c'est très fort aussi. Mais non, enfin, de toute façon, j'ai pas envie d'essayer de défendre ça avec les blancs. Si le roi vient en F4, il faut faire attention. Non, non.
le roi blanc qui s'y fait. Oui, non, mais d'accord, mais bon, il y a même des raisons de maths. Enfin, dès que tu viens sur la troisième, je te fais échec. Si tu viens F4, je te mate. Et donc, l'option de plus de Nino. C'est maintenant une finale de tour. Enfin, prochainement une finale de tour. Ouais. Et le purée, je dois juste être trop fort. À moins qu'il y ait tour à 5. Tour à 5, B4. Faut penser ça. Quoi ? Non, non, tour à 5, B4. Bah, tour B5. Ouais, ouais, mais G4. Et là, il n'y a pas le temps de jouer à 5. C'est important comme détail. Ouais. Donc là, il faut faire fou prend. Puis on prend. Et courir. Mais on n'a pas le temps. Ouais, ah, bon, peut-être, ça. Peut-être tu peux. Est-ce que ce pion là, il peut. À 5, tour prend à 6. Ouais. La tour prend et tour à 6. Ouais. Et là, comme le pion n'est pas beaucoup avancé, est-ce qu'on a du contre-jeu? Roi C7. Moi, je pense que ça gagne tout de suite. Roi B7. Tour A4. Tour, voilà. Tour A5. Voilà. Et roi C6, là, je suis sûr que c'est nul. Sûr que c'est nul, ouais. J'en ai deux quand même. Hein? J'en ai ouais, deux. Ouais, ouais, roi D6. Roi D6. Non, ah, non, non, ah roi D6. Non, non, je reviens de l'autre côté maintenant. Ouais. Tu peux pas jouer avec ta tour, je suis sûr que c'est nul. Pas si clair, parce que le pion il a arrêté tour quand même. Ouais, mais. Regarde même simplement. Hein. Je sais pas, je te joue ça. F5, ouais, roi E5. Attends, je te joue. Ça. Roi E6. Ouais, bon, ok, je les arrête vraiment tous. Ah, ok. Mais ouais, mais enfin bon, après c'est. Bon, de toute façon, si on est parti, bon, alors attends, mais tour A5. Bon, B4 est forcé. T'as pas le choix, ouais. Tour là. Ah, attends, est-ce que c'est bien ? Tour B5 est forcé. Attends, je regarde juste. Les temps aussi. Ah, il y a eu. Il y a eu l'échange. Ah non, il y a eu. France 5 comme ça. Ouais, mais bon. Ah, c'est encore pire ça. Ça doit perdre en plus. Sans pion passé, c'est sûr que c'est. Non, mais en plus, il y a tour C3. Oui, il y a tour C3. Et puis tu bouges le roi, quoi. Tour C3. Tour de ça. Hein ? Bah, tour C3, tour F3, puis tu montes le roi en H. Je sais pas si l'autre me semble. Là, je peux jouer tour A3. Ouais. Tour C3, peut-être ça. D'accord. Tour F3, je vais améliorer ma position. Et H5. Ok. Donc là, mais H5, j'ai tour. Je peux monter en F5. Peut-être sous ça. Ouais, G4. Ouais, mais bon, ça maintenant c'est. Bah, j'ai toujours tour E3 et prise du pion. Là, je pense que c'est vraiment. Je vais ton roi quand il est là. Je... Donc, quand il est sur la colonne. Peut-être je le mets là même. Je joue G4. G4, il y a même ça. Ah, c'est ça que tu veux faire ouais. Ah oui, je suis un peu bête là. Parce que non, je peux pas faire ça. Parce que ça, maintenant je le rapproche. Là, tu vois, ouais, mais est-ce que je vais gagner? C'est pas sûr. Oui, oui. Ah oui, non, oui, oui, voilà. Ah non, 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 pas non, que tu gagnes. J'étais. Ça. Il faut que je prenne le pion à H. Ah, c'est ça son. Donc ça. Peut-être. Il faut prendre le pion H tout de suite. Tour H1. Je vais rester actif. Ouais, non, mais parce que ça,
Ouais, donc c'est, bah, en gros, c'est plus ou moins le même genre de finale, quoi. Ouais. Mais là, il n'y a pas. Y a pas... En fait, ici, dans ce genre de position, il faut, faut tout balancer avec le roi, quoi. Là, pour l'instant, le roi est obligé d'aller en B7 pour débloquer la tour, pour débloquer le passage. Là, il faut aller hyper vite. Donc, il faut... Voilà, G4. Roi C7. Roi G3. Roi B7. Et tour, voilà. Tour, tour là, et puis on pousse. Et là, F4. Pousse tout. A3. Et on descend... il va falloir l'arrêter au dernier moment. Ouais, ça aurait été bien de le couper au maximum. Eh oui, là, ça va être insuffisant. J'ai l'impression que le roi noir va arriver juste à temps. Il faudrait juste un petit... F5, roi C7, et puis le roi... Ouais, roi F4, roi E6. Et puis là, en plus, G5, roi E7. Arrive à temps. Bon, ok, bon, enfin, c'est des variantes qui jouent à temps près. Bon, il peut y avoir des subtilités, parce que là, en analysant... À tempo ou presque des varons qui jouent à un temps près, justement, ouais. On peut dire beaucoup de bêtises. On peut dire beaucoup de bêtises. Oui. Ok. Alors, non, cette finale est intéressante. Mais tour F3, c'est un coup complètement con, de toute façon, sur okay, le coup que tu as fait là. Tour C5, tour A3, tour C3, c'est bien, c'est normal. Tour A5, A4, tour A3. Et là, est-ce que tu. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu joues à 4 quand même? Ouais, mais dans ce cas-là, je me demande si je peux pas jouer roi E7, parce que j'aime bien avoir la 6ème possible pour protéger avec tour A6 plus tard. Donc roi E7. Et sur A5, je peux pas essayer de le jouer. Bon, allez. Bon, ouais. Des chances de nul, là, typiquement dans la finale du tour. Ouais. Des petites chances de. Ouais, de avoir des bugs. Ok, alors est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des parties? Tu regardes le chat, est-ce qu'on nous signale des événements? Non, rien de spécial. Bon, ben on va peut-être. On va attendre que ça se décante parce qu'il se passe. Il y a des parties où on sait ce qui va se passer, on n'a rien à dire. Faudrait qu'il y ait une surprise. Ah. Bon, cette partie. Bon, alors là, il se passe des tour choses. Tour B3, peut-être. Donc, attention. B5, il a joué fou au 5. De la tour échec, F4. Ouais, le pur H il peut être dangereux quand même. Même des fois, tu sais, il peut y avoir tour prend C6 comme idée. Mais je pense que c'est son idée même. Non, mais c'est 3. C3, ouais. C3, c'est rapide. Ouais. C3, roi E3, C2. Roi bouge, tour D8. Et c'est là. Et c'est alors, est-ce qu'il y a un autre coup? Et là, il va falloir aller vite. Ouais, mais bon. Ouais. Bon. Ouais, je... Pas trop d'idées, là. Ouais, c'est donc, ok, que tu as mentionné, roi 3, quoi. Ouais, ça. Ouais. Donc, ça ressemble à un gagnant. À voir si Jean-Luc a une idée miraculeuse. Mais... Bah oui, il est surprenant. Depuis de... ouais. Il avait trouvé une patte contre. Contre Christian. Le début de tournoi. Tour aussi, ça a été joué. Ouais. Donc sur C2, son idée c'est. Fou B2. Ouais, et là je voulais moi jouer. Enfin, je pensais que l'idée c'était. C'était tour 1. Mais ça marche pas. Ah, et roi prend F5 alors, il fait tour prend C6. Bah, la tour, celle qui joue pas là. Ah, mais je contrôle pas la case H1. D'accord. Ouais, bon, même ça.
Bah oui, c'est un garçon plein de ressources. Mais fou B2, et c'est... fou B2, on peut faire autre chose alors. Mais pourquoi il n'a pas fait tour prend G6 alors? C3. Ah oui, il a tour prend C6. Ouais. C3, tour prend C. Vas-y, coupe voir la retransmission. Tour prend C6. C6, ouais. C3, C3. Ah, ou H6. Bon, ok. H6 fait nous. Bon. Allez. Encore pas clair, ça passe. Mais pas encore clair. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais il s'est passé ce qu'on. E5, à ce moment-là, ok, comme les 5 potentiels. Bon. Là, c'est vrai qu'on va vite être à court de commentaires sur cette position, à part les noirs sont gagnants, mais ça peut prendre un peu de temps. Pas grand-chose à dire. Là pour le coup, ah oui, il y a le perpétuel avec G4. D'accord. Pardon? Dame C1 échec, dame prend, dame G4 échec. Hey. Non mais je pense que son idée c'est pas de prendre B2, enfin en tout cas pas de suite. Hein. Bah là, déjà de sécuriser le roi. Ouais, bah dame E5, il y a dame G4 échec. Ouais, mais pour l'instant, dame G4 échec c'est même pas une menace. Quoi. Ouais. Mais bon, ok, non, c'est pas si facile. Alors, roi G6. Dame G5, échec.